Puis ça aussi, ben, pour revenir à l'album « L'idiot du village », j'ai bien aimé aussi le sketch radio communautaire. Je trouvais ça quand même assez popé. Mais tu vois qui écoute la radio communautaire, à un moment donné, tu tombes sur une annonce, genre ça... que tu comprends plus ou moins de quoi qu'il parle. Ça ressemble vraiment à ça, là, avec le gars de la régisse qui écoute pas, puis tout, tu bûches comme « Ah ouais! » C'est fâché parce que ça marche pas comme tu veux, tu sais. Puis j'ai fait un petit skit que genre je fais une annonce d'un salon de coiffeur. C'est assez nice, man. Ça vaut la peine d'écouter. Hey, l'idiot du village, allez chercher cet album-là. Ben ouais, allez chercher ça, honnêtement. Tout le monde, allez-y, ça vaut la peine. C'est clair. Yes, puis je sais aussi ça, que t'as été comédien pour les gags juste pour rire. Ouais, je le suis encore, en fait. Ça fait 3 ans, je pense, que ouais, ça fait 3 ans, tu travailles pour ça. Puis comment tu trouves ça? Ça doit être quand même assez cool, pogner le monde. Disons qu'il y a des jobs pires que ça dans la vie. Ouais, j'imagine. Honnêtement, là, ben c'est ça. Quand j'ai fini l'école de l'humour, ils sont venus faire un peu de recrutement à l'école. Puis moi, j'étais comme « fuck, c'est sûr que je veux faire ça », tu sais. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire quelques-uns la première année. Puis année après année, j'en ai fait de plus en plus. Puis man, c'est un trip. Ça finit pas toujours bien, par exemple. Il y a des gens qui le prennent pas de se faire pogner de même, tu sais. Y a-tu une personnalité, genre, connue que t'as réussi à pogner? Non, en fait, on n'a pas le droit de pogner des gens connus, c'est con, là, mais c'est ça, parce que ça devient compliqué, parce que vu que c'est des gens connus, des fois, ils sont comme, ben là, vous allez me payer parce que j'ai passé à la TV, fait que ça devient super complexe à gérer, là. Mais des fois, il y a des gens qui battent trip, là, ben raide, là, qui pètent des coches, puis qui veulent appeler la police. Mais il y a des jokes aussi, moi, je me ferais faire, puis je sais pas si je trouverais ça drôle. Des fois, je l'accorde. Une couple de jokes, là, je me ferais faire, honnêtement, je sais pas si je rirais ou je serais frustré à mon tour. On essaie toujours de faire ça léger pareil, tu sais. Ouais. Oui, des fois, le gag est intense, fait comme aïe, j'avoue que je capoterais, ça m'arrivait. Mais quand ça finit, tu sais, on leur montre que c'est juste juste triper puis qu'il n'y a rien de grave dans tout ça. Ben ouais, c'est sûr. Tu sais, de voir aussi qu'il y en a qui pognent avec les affaires comme les policiers avec la porte jartelle. Puis c'est comme de voir, tu pognes à ça, là. Ouais, c'est ça que des fois, tu te dis, bon, peut-être pas vite. Mais là, je te dis, c'est définitivement un des gros trips de ma vie, ça, mon gars, de pouvoir travailler avec ça. Puis ça, puis t'as fait 40 spectacles pour les gars-là juste pour rire. En fait, c'est une tournée qu'on a faite après l'école de l'humour. Après l'école de l'humour. On a parti à travers le Québec, on est même allé en Ontario. En Ontario, ouais, aussi. Puis ça, mon gars, ça forge le caractère, là. On a fait ça en genre 2 mois et demi, là, 40 spectacles en 2 mois et demi, c'est quelque chose, là. J'avais plus de vie, mon gars. C'était tout le temps la scène, constamment. Mais ça donne la rigueur, t'sais. C'est ça qui arrive, c'est que t'apprends à travailler de façon super rigoureuse. Puis t'arrives avec une méthode de travail, t'es tout le temps prêt à chaque soir. T'sais. Puis ça, comme je te disais tantôt, je prends tout ce bagage-là et je le transpose dans le rap maintenant. T'sais. Ouais, parce qu'il faut pas croire que les humoristes, ils l'ont facile, qu'ils vont sur un stage et ils comptent des jokes, puis la soirée finit là. Là, tu sais, je me plains, mais check, tu vois, on a un exemple, Martin Matt, dernièrement, qui a eu un burn-out. T'sais. C'est pas pour rien, parce que c'est des gars qui travaillent tout le temps. Puis c'est pas juste de monter sur scène jour après jour, c'est d'aller faire de la promotion, des entrevues radio, des entrevues TV, travailler sur leurs affaires. Fait qu'à un moment donné, les heures de sommeil deviennent de plus en plus courtes, puis ils ont toutes des familles en plus. T'sais. Ben ouais. Fait qu'à un moment donné, mon gars, le corps, il dit « OK, là, faut que tu prennes un break parce que c'est assez. » T'sais. Fait que c'est pas aussi facile que ça a l'air d'aller compter des jokes sur un stage. Puis un autre bon exemple qui est regrettable, c'est Michel Courtamanche. Ah ouais, absolument. Puis lui, pourtant, c'était un dieu de l'humour. Ah, avec un talent immense, mais à un moment donné, la pression, ça finit par peser, tu sais, ben c'est pas tout le monde qui peut gérer ça. T'sais. Ouais, ça, à un moment donné, tu viens trop connu, puis tout le monde veut un morceau de toi. Absolument. Whatever. Mais ça, on pourrait enchaîner avec un autre tune. Ouais. On va y aller avec Superstar, ouais, avec Dupuis. Yes, sir. Fait qu'on enchaîne. Let's go! Yes. This superstar, right? Yeah. Kick it! Ha. Come on! Yeah, I just wanna be a superstar. Yeah, dancing right in the minibar. Yeah, I'm all love and Elvis had. Yeah, and I want it back. Yeah, yeah, I just wanna be a superstar. Yeah, dancing right in the minibar. Yeah, I'm all love and Elvis had. And I want it back. Je veux être un superstar. Jusqu'à Rome, et que sur chaque toit ma voix résonne. Yes sir, je suis une superstar. J'ai ma statue des tribus de la Côte d'Ivoire. Gros char, cigare, moi je me fous de ça. Je veux juste une sexy chick qui tripe ses bamboulas. Depuis le temps que je suis là, tu m'as jamais vu venir. Et 40 ans plus tard, je serai dans tes souvenirs. Le petit gars du quartier, ses poitrines et les pieds. Je te signe un autographe si je te vois en tournée.